sumuka oboka ngete akwaya olo musanga bongo bolamwe asumuka olimbisanga nakwaya otelemisanga. Cela dépend de l'ère à laquelle vous suivez. Encore une fois, depuis que je suis venu à travers ces grands sites, les temples des dieux qui est notre manager, les temples des dieux qui est là juste pour servir les enfants des dieux, parce que c'est un site qui bénit les enfants des dieux, qui ne met pas de bêtises, mais qui met des messages qui édifient les enfants des dieux. Voilà pourquoi moi, votre humble serviteur, je suis là encore ce matin dans vos maisons, ce soir. Donc, juste pour vous parler de quelque chose de très important. Je sais bien, beaucoup de gens vous parlent de Salaboulam, à Lingala, comme nous disons, à Lingala, c'est-à-dire fait du bien. Souvent, ce sont les gens qui demandent à Dieu de faire du bien. Mais dans cette chanson, contrairement, ici, moi, je demande maintenant aux hommes de faire du bien à Dieu et aux hommes. Voilà. Je pense bien que quand la Bible dit chaque chose a son temps, ça ne dépend pas seulement des bénédictions. Non. Mais cela dépend aussi des messages. Chaque temps, Dieu envoie un messager. Dieu envoie quelqu'un et avec un message précis. Et voilà pourquoi ce soir, ce matin, moi je suis là juste pour vous parler de quelque chose de très important pendant quelques minutes à ce qui concerne cette chanson Salaboulam. J'aimerais d'abord très bien qu'on suive d'abord la chanson et après moi je vais expliquer avec la force de notre réalisateur, ingénieur Joli Kopi. Après je vais venir encore pour vous expliquer la chanson et je pense bien que toi tu seras béni. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve juste après. Asumuka oboka ngete nakwaya olo musanga bongo bolamwe asumuka olimbisanga nakwaya otelemisanga bongo bolamwe yango Michel Ayemba. Nzamba zo fuka masumu. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et bongo bolamu bosa na pona nini? Te akobosa na te. Sala bolamu bien aimé. Sala bolamu matika te. Mataba finga. Salamolamu. Je pense bien que c'était difficile pour les autres de comprendre la chanson parce que je l'ai chantée à Lingala. À Lingala, comme nous disons, à Lingala, c'est pratiquement les Congolais qui sont à l'étranger, les Congolais qui sont en Europe, aux États-Unis qui peuvent comprendre la Lingala. Mais toi qui es en Côte d'Ivoire, toi qui es Ivoirien, Ghanéen, toi qui es partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique, tu as un peu difficile à comprendre le message. En fait, le message de cette chanson, c'est juste, j'ai dit aux gens de faire du bien. C'est-à-dire, si Dieu te donne 1000 francs, si Dieu te donne 100 dollars, si Dieu te donne 1000 dollars, sache-le bien que Dieu t'a donné parce qu'il sait qu'à côté de toi, il va placer quelqu'un qui va manquer 1 dollar. Vous savez, moi, je dis souvent, il ne faut pas seulement prêcher aux gens, il ne faut pas seulement prendre beaucoup de temps à prêcher. Oui, c'est bien, mais parfois, nos œuvres prêchent plus que nous-mêmes. Là, il faut retenir, bien-aimé. Moi, je vois mal un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, soi-disant serviteur de Dieu. Mais Dieu t'a déjà béni. Toi, tu as des chips. Dieu t'a déjà élevé. Mais toi que Dieu a béni,
toi que Dieu a élevé et tu nous prêches l'amour, mais regarde celui qui est à côté de toi. C'est juste ça le vrai problème. Et si tu n'as pas envie, si tu n'as même pas le pouvoir, si tu n'as pas le pouvoir d'aider celui qui est à côté de toi, et comment est-ce que tu peux nous prêcher l'amour? Et dans cette chanson, je dis, il faut continuer à faire du bien. Moi, je sais, il y a des gens qui ont toujours l'habitude de faire du bien, mais en retour, ils sont payés en monnaie de singe. Là, ça ne dérange pas, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, ce n'est pas les hommes qui payent, mais celui qui paye, c'est Dieu. C'est Dieu qui paye. Voilà pourquoi j'ai dit, même si les gens ne t'acceptent pas à cause des messages que tu as. Moi, je sais, aujourd'hui, c'est tout le monde qui plaire. Dieu, fais-moi du bien. J'ai besoin de ta bénédiction. J'ai besoin de ceci. Mais quoi? C'est pas mauvais, c'est bien. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour celui qui est à côté de toi? C'est juste ça le problème. Toi, tu es chrétien. Moi, j'ai dit bravo à nos frères musulmans. Un jour, j'étais à Pointe-Noire. J'étais à Pointe-Noire. C'était les jours de Tabaski de nos frères musulmans. Mais je vous dis, j'étais accueilli comme un roi alors que je ne suis pas musulman. Ce sont les musulmans qui ont payé les billets pour moi de retour. Mais ce sont les gens que nous négligeons, que nous voyons comme si des païens. Mais attention, je connais une histoire. Un pasteur nous a raconté une histoire. C'était dans un pays. Et puis ses papas faisaient expressément. Il le faisait expressément. Il a fait tomber la porte-monnaie plusieurs fois. Et c'était dans un pays musulman. Mais je vous dis, plusieurs fois qu'il faisait tomber ça, on lui remettait ça. Papa, tu as fait tomber. Papa, tu as fait tomber. Mais aujourd'hui, même dans nos églises, il y a des téléphones qui se perdent. Mon frère, ne te contente pas. Je dis souvent, attention, même si nos pasteurs disent aujourd'hui, bonne année, c'est l'année de bénédiction, de l'élévation, de succès. Oui, c'est bien. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu l'élévation? En 2015, c'était la même chose. On t'a dit que cette année 2015, c'est l'année de succès. Est-ce que toi, tu as vu le succès? C'est juste ça le problème. On t'a dit que cette année, c'est l'année de bénédiction. Est-ce que tu as vu la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu se cache quelque part, mon frère. La bénédiction de Dieu se cache dans cette chanson qui dit « Salam oulam », c'est-à-dire « Fais du bien ». Ne regarde pas ton frère en train de souffrir. Toi, tu pries et tu lui dis « prie encore ». Alors que toi, dans ta poche, tu as l'argent. Il y a d'autres choses qui prêchent plus que nos prédications, mon frère. Et dans cette chanson, j'ai dit quelque part que même Dorcas était ressuscité, ce n'est pas à cause de ses prières. Lis bien la Bible. La Bible, elle dit clairement que ce sont les gens qui plaidaient. Ils plaidaient pour Dorcas à cause de ce qu'il faisait, ce qu'elle faisait comme Ève. N'oublie pas, mes frères et sœurs, n'oublie pas le chrétien. Ne perds pas les idées trop vite. Moi, aujourd'hui, je cherche des chrétiens, je cherche des pasteurs, des enseignants qui nous prêchaient et qui aidaient aussi les autres. Mais aujourd'hui, dans nos pays, aujourd'hui, quand tu donnes l'argent plus, quand tu aides plus, et cela veut dire que tu as touché au fétiche. Mais non, les bonnes œuvres, n'oublie pas. N'oublie pas de les faire, mon frère. N'oublie pas de les faire, ma soeur. Si Dieu te donne la vie, il te donne la vie juste pour chercher l'argent, et à cause de toi, beaucoup de gens seront bénis. Toi, tu es la bénédiction. Tu es juste la bénédiction pour les autres. Et regarde bien. Et si Dieu t'a donné l'argent, si Dieu t'a donné le travail, ce n'est pas parce que tu es plus intelligent. Moi, je dis souvent, regarde seulement les premiers de votre classe. Toi, tu étais à Kinshasa. Toi, tu étais à Abidjan. Toi, tu étais partout. Tu n'étais pas le premier à tout moment. Mais regarde le premier de votre classe. Il n'est pas le premier de la vie. Il souffre aujourd'hui. Cela veut dire, si Dieu te donne quelque chose, si Dieu te donne ce que tu as, ce n'est pas à cause de ton intelligence. Loin de ça, trop loin alors. Ce n'est pas à cause de ton intelligence. Si Dieu te donne quelque chose, c'est qu'il sait qu'à côté de toi, il placera quelqu'un qui va manquer. Ne lui prêche pas beaucoup. Ne lui prêche pas, ne lui envoie même pas aux retraites. Mais il suffit de lui donner quelque chose, mon frère. Il suffit de lui donner quelque chose. C'est ça la chanson. Salam oulam. Et quelque part, j'ai dit dans cette chanson. Nakwea, telemisanga, bonga bolamwe. C'est-à-dire, je dis, Dieu paye le péché. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que le salaire du péché, c'est la mort. Attention, quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas Satan qui paye, mais c'est Dieu qui paye ce salaire. Même si c'est mauvais, mais c'est le salaire du péché. Mais je me demande, si Dieu est capable de payer le péché, à combien plus forte raison c'est que nous faisons du bien pour lui? À combien plus forte raison c'est que nous faisons du bien pour nos frères et sœurs, mon frère? Non, n'attends pas seulement aller dans les bars pour être Mopao. Non, n'attends pas seulement aller quelque part
pour qu'on te dise que tu es vraiment bon. Non. Même si les gens ne t'acceptent pas, mon frère, le vrai témoignage, c'est ce que Dieu a pour nous. C'est tout ce que je t'ai dit, mon frère. Dans cette chanson, je te pousse seulement à faire du bien. Des bonnes œuvres parleront à ta place un jour. Des bonnes œuvres parleront un jour à ta faveur. Je t'en supplie, mon frère. Je t'en supplie, ma soeur. Fais encore du bien. Allons-y encore. Faire du bien. Au nom puissant de Jésus, Dieu t'aidera. Si Dieu te donne, si Dieu te donne l'argent, si Dieu t'a amené quelque part en Europe, c'est qu'il sait que dans ta famille, toi, tu es le libérateur qu'il a placé pour faire sortir la famille dans cette situation. Je t'en supplie, mon frère. Ne suivez pas toujours des enseignements qui t'encouragent à faire à oublier tes frères. Non, mon frère. Ne fais pas, ne faut pas seulement suivre des enseignements qui te font oublier même ces gens-là qui t'ont aidé à venir à l'Europe. Je connais un papa qui m'a appelé. Il a fait tout pour que son frère arrive en Europe. Mais arrivé en Europe, son frère l'a trahi. Son frère lui manque même du respect. Je t'en supplie. Toi, qu'on a payé à monnaie de singe, je t'encourage encore de continuer encore de faire du bien parce que ce n'est pas les hommes qui payent. Si Dorcas aujourd'hui, nous lisons dans la Bible, c'est à cause des bons œuvres, ce n'est pas parce qu'il a monté la montagne. Non, ce n'est pas à cause de la prière. La prière, c'est bien. Je n'en disconviens pas, mais attention, le œuvre parlera plus. Alors si Dieu te donne, donne aussi aux autres. C'est ça le message clé de cette chanson. Voilà pourquoi je t'en supplie. Toujours je serai là, prêt pour te prêcher pendant quelques minutes que j'aurai dans notre site Temple des Dieux. Que Dieu bénisse encore une fois de plus notre coordonnateur, Papa Sylvain Bombastique. Que Dieu te bénisse pour la disponibilité. Que Dieu te bénisse pour cette chaîne que tu as mis vraiment à disposition des enfants de Dieu. Non pas pour lire des bêtises, mais pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut beaucoup prier, mais aussi faire du bien. Faire du bien. Il y a un couple que je priais pour eux aux États-Unis. Ils souffraient, ils ne mettaient pas au monde. Mais quand je priais, Dieu m'a dit, dis à ce couple qu'ils fassent des layettes pour un autre couple. Oh là là, oh là là, quel rapport y a-t-il entre leur affrontement et faire du bien? Mais Dieu m'a dit de les leur dire. Et qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai prié pour ce couple. Je l'ai dit. Il faut donner seulement l'argent des layettes à celui-là qui a déjà un bébé. Comme toi, tu n'as pas le bébé, aidez celui-là qui a le bébé. Et ils ont fait. Aujourd'hui, ils ont un bon fils. Je vous dis, Dieu est tellement merveilleux. Dieu n'attend pas seulement les prières, mais Dieu aussi attend les œuvres que tu fais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le frère Mayala. Je suis là chaque fois, juste pour vous expliquer des chansons et prêcher quelques minutes. Que Dieu vous bénisse. Et si vous voulez avoir la prière ou un conseil venant de moi, votre humble serviteur, c'est simple. Appelez seulement au numéro qui est affiché. C'est mon numéro personnel. Je vais vous recevoir et on va prier ensemble. Et je pense que Dieu a des solutions qui manquent les problèmes. Il cherche seulement ton problème. Et mets seulement confiance à Dieu. Il te bénira. Plus 243 89 79 78 484. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous allez suivre encore la chanson et que Dieu vous bénisse. Bye. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Et bon, au bout moi, beau ça n'a pas la nuit. T'es à quoi beau ça n'a t'es. Salam, bien aimé.
la mola mwe motika te mata ba finga komo yete Jésus la mwe Bibo tu bazo seka yo pona mula munda yo Sala mola mwe o fute la bato ba classe me ba finga yo na sima na yo donc ça bika pona parler à langue te pona retraite te ma pona mula mwe sala mola mwe sala mola mwe motika te mata ba finga ta ma pesio ça fait baninga sala mola mwe sala mola mwe.